Bonjour et bienvenue sur Tuto Pêche. Alors déjà, merci à tous ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube et sur le groupe Facebook Tuto Pêche. Donc merci à tous ceux qui publient des petites pêches, des petites anecdotes ou des petites astuces de pêche, et même des vidéos de pêche via des chaînes YouTube. Merci à tous ceux qui partagent leur passion et qui nous permettent d'avancer un peu plus vite ensemble et de s'améliorer en pêche. Donc c'est le principe de la chaîne, hein, de s'améliorer. De vous montrer quelques petites astuces et d'avoir vos ressentis également pour pouvoir améliorer notre pêche et pouvoir progresser plus vite et plus rapidement. Donc, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite clochette, là, la petite notification pour éviter de rater des vidéos. Aujourd'hui, on est en plein hiver, hein, c'est un peu difficile la pêche. Donc, je vais vous parler de la pêche au jig. On va essayer d'améliorer vos pêches en choisissant, les gigues par rapport à leur couleur, leur taille et leur forme également. Donc, comme vous le savez, je suis en partenariat avec Decathlon, Caperlan. Donc, je vais vous parler un petit peu de tous ces gigues, mais je vais parler également de toutes les marques, hein. Donc, dans chaque marque, il y a toujours un petit gig qui est intéressant, un petit leurre, quelque chose. Dans toutes les marques, quelque chose est intéressant. Donc, je vais dénigrer aucune marque, j'aime pas ça. Donc, je vais juste me servir de tous les le panel de gigues Caperlan que j'ai pour vous montrer un peu les tailles et les formes de gigue. Voilà, donc ce qui va être important à retenir dans cette vidéo, alors en plus de tous les gigues et les marques que je vais vous montrer, ça va être de choisir la taille des gigues. Ça va être important de regarder, là où il faut bien observer, souvent en début de saison, les proies attaquées par les carnassiers sont plus petits, hein, donc les sevreaux ou les anchois sont plus petits en début de saison qu'en fin de saison. Donc il va falloir bien observer et choisir son gigue par rapport à l'appât par rapport à la proie que le carnassier va attaquer. Donc en début de saison, on va souvent choisir des gigues un tout petit peu plus petits pour réussir ses pêches. Voilà. Ensuite, on va parler de la forme. Par rapport à certains leurres, ont une forme complètement différente qui va leur permettre de provoquer une attaque également à la descente. Et ensuite, en dernier, on va choisir également les couleurs. Alors par rapport au temps, alors là, on va parler de pêche en plein jour. La pêche en pleine nuit, c'est différent. On en parlera plus tard dans une autre vidéo. Mais en plein jour, le gig, il va falloir regarder la luminosité. Ça, c'est très important. Donc, ce qui va être important, c'est de regarder la météo. Donc, par temps couvert, on va taper plus souvent sur des gigs blancs ou des gigs un peu flashy. Alors que par temps clair, on va pouvoir utiliser des leurres imitatifs, hein, des leurres bleus, des leurres imitatifs et avoir de bons résultats. Mais les leurres bleues ne marchent pas forcément par temps couvert. Voilà, c'est la petite différence. Donc, je vous ai donné quelques petites astuces et regardez la vidéo et j'espère que ça vous servira. Bonne vidéo à tous. Donc, pour revenir au gig, on va regarder un peu la taille et la couleur. Alors, tout dépend ce qu'on va taper. Si on va taper de la pélamide, on va regarder surtout la luminosité. Donc, en pélamide, on va être en pleine journée et on va chercher la luminosité. Alors, si c'est un temps très clair, on va pouvoir travailler sur des leurres un petit peu plus sombres, hein, des leurres plus ternes, pas de problème. Hein. Bon, là, je vous ai montré des caperlans. Maintenant, ça, c'est Tokonjig. Là, c'est caperlan. Voilà, avec des imitations. On va pouvoir travailler sur des imitations aussi. Hein. Là, c'est une imitation de mulet, aussi intéressant, hein, surtout s'il y a des loups, mais uniquement par temps clair. Voilà, alors après, vous avez des petits de 10 grammes, et après, il va falloir travailler. Alors, je vous montre d'abord les caperlans, et après, je vous montre les autres marques. Parce que comme Caperlan, j'en ai pas mal, j'ai pas mal de choix. Donc je vais pouvoir vous expliquer un peu l'intérêt de la couleur, de la taille et surtout de la forme également. Donc là, vous voyez, hop, on a une forme un petit peu plus plate sur celui de Caperlan par rapport aux nouveaux Caperlan qui vont sortir là bientôt, là, les Bastios Fast. Donc là, c'est un 20 grammes et là, c'est un 10 grammes. On voit bien, je ne sais pas si vous voyez, on voit bien la différence. Alors, ce qu'il faut faire attention également, c'est par rapport à, vous le verrez un peu avec l'expérience, c'est par rapport aux marques que peuvent laisser les pélamides. Alors, surtout quand on cherche la pélamide, c'est chiant de payer un leurre, alors 10 ou 15 euros, et de finir avec plus de coloris du tout. Voilà, sur deux poissons. Alors, celui-là, deux poissons, c'est dommage. À mon avis, il devait avoir un défaut sur le vernis. Mais voilà, et alors il faut, alors n'importe quelle marque, hein, regardez, ça, c'est les Bastios Fast. C'est le nouveau qui va sortir. Hein. Hop. Donc on voit, il a gardé quand même sa couleur, mais il est bien bien marqué hein, par les tassergales et par les pélamides. Alors, tant mieux, c'est l'heure qu'il a pris du poisson. Mais c'est important de trouver un leurre qui ne s'abîme pas ou très peu. Ils sont obligés de s'abîmer, hein, mais alors c'est important de trouver un leurre
s'abîme peu. Alors j'ai déjà fait la promotion pour le Bassios Fast. Alors vous le savez, ce leurre-là, il s'abîme très peu. Voilà, pour, je sais pas moi, 50, 100 pélamis, j'en sais rien, comme j'en ai fait avec. En tout cas, énormément. Et bon, il a perdu un œil, il marche toujours. Il a perdu un peu de son coloris, mais il est vraiment assez résistant. Donc c'est intéressant. Voilà, c'est un leurre qui nous permet de faire beaucoup, beaucoup de poissons. Alors, l'intérêt, c'est la forme. L'intérêt de la forme, ça va être au moment où il va couler tout simplement. Alors, je vais vous prendre un exemple. Ben, toujours pareil, le Bassios Fast. Bon, alors, celui-là, le 10 grammes qui nage ou qui coule, l'attraction de la petite taille, vous voyez, sa petite taille par rapport à n'importe quel gig. Hein. Je vais vous prendre, tenez, celui-là. Hop, vous voyez. Hop, on va essayer de prendre un gig à peu près similaire en taille. Voilà, on voit bien, il est vraiment petit. C'est ça, donc petit intérêt de trouver un leurre assez petit et assez planant. Hein. Vu sa forme, en fait, il va commencer à planer à la descente et ça va vraiment faire taper du poisson. Alors, on a parlé du plein jour. En plein jour, pas de problème, on va pouvoir choisir comme les coloris bleus. Hein. On va changer de marque, on va prendre Maria. Hop, Maria, coloris bleu. Sauvagir, un coloris jaune. Alors ça, c'est moyen, il vaut mieux partir en sombre un peu. Hein. Un temps un peu nuageux. Alors ça, je n'ai même pas la marque. Voilà, il y a plein d'autres jigs. Bon, celui-là, il est tout abîmé, c'est Sakura. Celui-là aussi, temps clair. Hein. Ensuite, on a tous les bonis. Alors les bonis, c'est pareil. Les bonis, on a différents coloris et différentes tailles. Alors c'est important. Alors moi, j'aime bien le 18 grammes. Hein. Certains n'aiment pas. D'autres préfèrent vraiment le 28 grammes. Hein. Le 28 grammes, c'est un peu un coloris un peu polyvalent, quoi. Une taille, un poids assez polyvalent par rapport 18 grammes. Voilà, donc après, ce qui est important, ça va être la couleur. Alors, n'hésitez pas à prendre du rose, hein, par temps sombre, par temps clair, du bleu. On reste toujours sur les mêmes couleurs. Hein. D'éviter de choisir des couleurs ternes par temps sombre. Choisissez même du blanc. Hein, voilà, on sait que celui-là il marche très bien par temps sombre, par temps clair. Choisissez du blanc. Après, vous avez plein de trucs, plein de types. Alors, ça, je sais plus si c'est Yosui, c'est un cuir en choix là. Voilà, qui marche aussi. Il marche en noir aussi par temps clair. Donc voilà, même le noir, on peut choisir des coloris noirs, mais par temps clair, par temps sombre. Et il va falloir passer sur du jaune. Alors voilà, du jaune verdâtre, un peu comme celui-là. Ou du blanc. Prend toujours la même chose. Ensuite, par rapport au type de poisson que vous allez taper. Alors là, on a parlé de la pélamine. Maintenant, on va parler de sparidés, hein, sard, dorade, pajot. Ils adorent le rose. Alors bon, toujours pareil, hein, le caperlan. Il marche très bien. Les slow jig. Alors les slow jig, hein, je pense que c'est les pêches de futur. Hein. Certains sont déjà très très forts là-dessus. Moi, je commence juste à m'y attaquer. Donc le slow jig, c'est vraiment intéressant pour les sparidés. Hein. On décolle le jig de 3-4 mètres du fond et on laisse redescendre en planant. C'est des jigs qui planent et les attaques se font sûrement soit à la descente, soit quand vous allez décoller à la pose. Donc au moment de la pose, au moment de décoller le leurre du fond. Ou à la descente, c'est vraiment intéressant. Alors, je vous montre. Hein. Surtout qu'on voit maintenant les assists hein, qui sont très 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 piquants. Donc c'est pas mal. Et toujours pareil. Hein. Alors selon ce que vous avez tapé, hein, moi j'ai essayé bah, sur du macro, le bleu, ça marche nickel, mieux que le rose. Par contre, dès que vous tapez du sparidé, le rose c'est une couleur qui est imbattable. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, le rose ça marche toujours mieux que n'importe quelle couleur. Voilà. Donc pour les gigs, j'ai fait un petit peu le tour. Ouais, ça c'est un artiste, alors on ne sait pas trop si c'est gig, si c'est. En tout cas, ça c'est pas fait pour taper des poissons du fond, ça c'est fait pour taper des poissons en surface, hein, comme ben, du thon ou la thalamide ou la thonine. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour des gigs et des couleurs. Alors on va retenir juste. Alors, par temps clair, on va utiliser des couleurs ternes et un peu toutes les couleurs. Par temps sombre, on va utiliser des couleurs très claires, jaune. Jaune verdâtre ou blanche. Voilà, évitez les autres couleurs ou du rose. Voilà. Maintenant, quand vous allez redescendre au fond pour aller chercher des sparidés, privilégiez toujours le rose ou du blanc. Voilà. Donc voilà, ce petit point sur les gigs, c'est très important. Je pense au niveau taille aussi, il faut toujours regarder un peu ce que mangent hein, les pélamides. Hein. On a vu en début de saison, les pélamides étaient très compliqués. Ils mangeaient sur des petits anchois. Hein, donc, bah, si on avait un token, celui-là, il n'est pas gros, hein, pourtant, un token de 20 grammes, et ben, on ne prenait pas de poisson, alors qu'en fin de saison, on prenait de poisson avec celui-là. Alors, il fallait viser sur des petits gigs, donc du 10 grammes ou du 18 grammes, mais il fallait rester sur des petits gigs.
C'était la petite différence qui permettait de taper du poisson. Voilà, en fin de saison, bah, les anchois étaient un peu plus gros, donc on a pu se permettre d'augmenter la capacité. J'en profite d'avoir les leurres aussi caparlants. Voilà, en blanc. Alors, celui-là aussi, j'ai testé en 20 grammes, mais j'ai testé beaucoup le 10 grammes. Hein. Donc, en 20 grammes, la petite plus, c'est quand vous lancez sur une chasse, hein, pour vous lancer hors de chasse, ben, fermez le pick-up et laissez la ligne en tension. Et vous allez voir, souvent, ben, je ne sais pas pourquoi, j'ai pris des tapes à la descente, donc non pas en animant, mais pick-up fermé, donc ligne tendue. Donc, laissez pas le leurre se nager tout seul. Ça va laisser une légère tension. Alors, je ne sais pas comment il va nager. Je ne peux pas vous faire de vidéo. Je n'ai pas les moyens là. Mais ligne tendue, voilà, c'était vraiment efficace. Hein. On l'a vu avec mon père hein, sur des sorties. Vous avez vu voir sur le groupe des techniques qui marchent très très bien. Donc, vous lancez sur la chasse, vous fermez le pick-up et vous attendez 5-6 secondes. Logiquement, le départ, le poisson prend à la descente. Hein. C'est un leurre qui est assez planant. Voilà. Pour ce leurre-là, pour d'autres leurres comme ben, le bonny, hein, pour le leurre comme le bonny, ça sert à rien d'animer. Il faut juste ramener tout simplement. Je pense que l'animation va altérer la nage et vous risquez de ben, pas prendre de poisson. Voilà, alors, au contraire, sur des cuillères en choix comme ça, ben, il va falloir jouer un petit peu avec la canne en faisant des petits switches pour pouvoir animer le leurre. Idem pour le sakura hein, animé. Le bonny, c'est vraiment le leurre qu'il ne faut pas animer. Le maria, on peut l'animer également. Tous les jigs, un peu les jigs caperlans, on peut les animer également. Bon, il marche aussi, hein, ce leurre-là, il marche aussi en ramenant normalement, en linéaire. Mais le bonny, je ne sais pas pourquoi, animez pas avec ce leurre-là, ça va vraiment altérer la nage et ben, vous allez prendre moins de poissons. Voilà, ben, j'espère que ces petites explications sur les couleurs et les tailles de jigs vont pouvoir vous aider. Et ben bonne journée et merde à ceux qui trempent.